Oh my god. Qui vous a dit qu'ils étaient en rupture de stock?
On m'a délivré du clamoxyl il y a 2 jours. Le clamoxyl, c'est la pénicilline. Mon gamin est allergique. Vous devriez lui donner de la josacine. Ça marche bien, la josacine. L'exomédine aussi. Ça marche bien. Peut-être. Mais l'exomédine, c'est une crème contre l'eczéma. J'ai aussi une électrode. Mais mon fils, lui, c'est un enfant. Il n'a pas encore d'eczéma. Lui, non, mais moi, si. D'ailleurs, je tousse aussi pendant la nuit. Et ça m'empêche de dormir. Mais moi, je crache du sang quand je tousse. Depuis mon accident, j'ai reçu une grue de 5 tonnes dans le dos. Depuis, je crache du sang quand je tousse. Vous avez quoi comme numéro? Le 4. Moi, j'ai le 1, elle le 2. Le 3 n'est pas là. C'est peut-être elle. Non, moi, c'est une question. Je vous conseille quand même de prendre un numéro. Vous n'entrerez pas sinon. Si le 3 ne vient pas, vous n'avez pas pris la vieille. Ma vieille. Malade. Tiens, voilà l'infirmière, on a qu'à lui demander. Excusez-moi, madame. J'ai une question. Allez, regardez. Hier, le docteur a prescrit un antibiotique à mon fils. Mais on n'en trouve plus à la pharmacie. On est tous là pour une question, pas vrai? Et je voudrais juste lui demander de le remplacer par un autre. J'étais là hier. On était tous là hier, pas vrai? On était tous là hier. Asseyez-vous. Vous voyez, on vous a dit de vous asseoir. Vous prenez pour qui? L'ouvre de service? Le pédiatre, c'est pas ici. Le bébé va bien, c'est le maman qui est malade. Le bébé aussi, il a vomi toute la nuit. Lui, c'est un enfant. Et les enfants, ils guérissent vite. Alors que moi, j'ai des soucis. Je ne sais même pas si je vais pouvoir remarcher un jour. Le plus important, c'est d'avoir confiance. Et de bons genoux. Moi, on m'a coupé un bras. Chaque fois qu'il fait froid, mon os me fait mal. Vous avez quoi comme numéro? Je n'en peux plus. Je n'ai que 74 ans. C'est vieux, 74 ans? Non, c'est pas vieux. C'est malade. J'ai un voisin, il a 84 ans. Et il vend des pastèques au marché. Et il rigole toute la journée. Le 6. Moi, j'ai le 1. La vieille a le 2. Le 3 n'est pas là. Pas vieille! Malade! Non, pas toute la journée, c'est toute la nuit qu'il vomit le petit. Et moi, chaque fois que je lève le bras gauche, ça me fait comme un coup de couteau. Là, en dessous. Qu'est-ce que ça peut bien être, à votre avis? Rien! Sûrement les changements de temps! Mais je sens un truc, comme une boule au sein. On m'a dit que ça pouvait être un cancer. Mon mari a déjà un doigt au moins. À cause d'une grue? À cause d'un maudit chien qui grille en enfer! Alors vous avez le temps. C'est moi la première.
Oui, moi, je m'en fichais de faire pipi. Parce que tout fonctionnait bien. Alors, je m'en fichais. Ah, si je me suis tout fini comme ça. Tu crois que je me suis totalement retenue? Je tourne. Non. Martin, tu vas te pisser. Oh non. Oh my god. Mais bien. Il faut deux chaises. Oh mon dieu. C'est une réalité. Bon. Elle désinfecte. Ah oui, c'est vrai. Ne crains rien, tout vient de là, c'est Tibéria. Ah, je
Tibériade, une erreur. L'escalope, une erreur. Le fromage, une erreur. Les sardines, une erreur. Vous pensez que je peux aller aux toilettes? J'ai la diarrhée. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais j'en dis que c'était peut-être un peu mieux. Chez eux, c'est toujours un virus. Dès qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils vous disent que c'est un virus. Avant, on disait c'est la faute du bon Dieu. Aujourd'hui, on dit c'est un virus. Il a vomi toute la nuit, un virus. Le cancer du sein, un virus. Tout sauf mon doigt. Mon doigt, c'est pas un virus. C'est un maudit chien. Elle aussi, elle me dit toujours que c'est un virus. Mais si on s'en était rendu compte plus tôt, j'aurais gardé mes intestins en entier. Je me trompe. De toute façon, je le sais. Si tu le dis. M'en enlever 2 mètres, il ne m'en reste que 5. Quoi, 5? Le numéro 5 n'est pas arrivé! Les toilettes ne sont pas encore ouvertes! Asseyez-vous! J'ai la diarrhée, je ne fais que de l'eau depuis! Seulement, je n'avais pas arrêté la tibériade! On m'aurait diagnostiqué à temps et j'aurais gardé mes 7 mètres d'intestin! Pourquoi un voyage à la tibériade au lieu d'un examen à l'hôpital? Oh, si seulement je n'avais pas! Et moi, si seulement je n'avais pas mangé trop de sel durant toute ma vie! J'aurais peut-être moins de tension, à ce qui paraît! Eh même. Bien, ce qui c'est faux, c'est fait! Ce qui c'est vous, c'est fait! Mais chez moi, en une semaine, toute petite semaine. Oh, une bêtise, une erreur, une semaine, vous vous rendez compte? Oh, si seulement j'avais fait des examens une semaine plus tôt, et bien aujourd'hui, j'aurais gardé mes 7 mètres d'intestin. Et moi, j'aurais 12 sur 8. Oh, je m'en veux, une semaine, 7 mètres. Oh, ce que je m'en veux, quelle erreur! Chez moi aussi, c'est une erreur. Non! L'erreur, elle est pour moi! Pour moi! Une semaine! 7 mètres! Bêtise! Erreur! Semaine! Bêtise! 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 Mais oui, c'est Tony! J'ai une dernière depuis 2 jours! Madame! Moi aussi j'ai des problèmes! Je suis là alors que j'ai une angine et que j'ai laissé 2 enfants avec la varicelle à la maison! Je vous l'ai dit, patience, la secrétaire va arriver! À propos, elle souffre de calcul rénaux, la secrétaire, et c'est elle qui a la clé! Est-ce que je suis prête? Docteur Coppler? Emile Strug? C'est ça, moi aussi je veux voir Coppler. Le docteur Coppler est mort? Il y a 2 ans. Oui, c'est ça, Coppler. Le docteur Coppler est mort il y a 2 ans! Coppler, oui, oui, Coppler! Coppler, oui, oui, Coppler! Je l'ai, là! Gros et tout blanc! J'ai déjà eu la même chose entre les jambes! Tu risques de me lever
Cobbler, moi je crois en Cobbler. Je m'en suis sortie grâce à lui. Et il me sortira de là aujourd'hui aussi. Mais pourquoi ils partent tous ces idiots au lieu d'attendre Cobbler? Cobbler les aurait soignés, les aurait guéris. Moi je crois en Cobbler. En Cobbler.